Wende na mebo wera tumbo ebizi mbi acho pake chope ege. Wenge didi agebo na gomono zizi. Tuba jako geo. Merci beaucoup, merci, merci une fois de plus. Le cadre est un peu différent, pardonnez quand la caméra bouge. J'espère que ça ne va pas tomber. Je suis en plein air, je profite donc de ce beau temps. Pour pouvoir m'adresser à vous. Je veux m'adresser surtout à tous ceux qui sont sur le cheminement, tous ceux qui ont commencé à rentrer dans l'école de la connaissance de soi, à la découverte de soi. Et donc, ceci étant, merci, je remercie beaucoup d'abord mes entités, mes génies, mes ancêtres, et je n'oublierai pas, bien sûr, celui qui est l'auteur de tout, celui qui a tout créé, hein, de qui nous avons la vie, hein, la source de tout, l'énergie fondamentale qui agit par pouvoir délégatoire, je ne l'oublierai pas. Donc, Tetanzambe, à lui d'abord revient l'honneur, la considération, le respect, l'adoration, c'est cela. Quant à nos ancêtres, on ne les adore pas. L'adoration ne revient pas à nos ancêtres. C'est l'honneur et aussi le rappel
et les convocations. Nous avons besoin d'eux quand nous avons des problèmes. Nous avons besoin d'eux quand nous avons des urgences, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que vous êtes tous ici. Ben, aujourd'hui donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dirais toujours merci. Merci parce que là encore, on est déjà presque à 500 abonnés en 3 jours. Ça veut dire que en une semaine, on va atteindre 1000 abonnés. Je vous dis, c'est un record que je n'ai jamais eu. Donc, on risque de maintenir le cap de 3 à 4 000 abonnés par mois. Ceci est une bonne nouvelle, car souvenez-vous, je vous avais dit tout au début, il y a un an de cela, que YouTube, en dehors de la monétisation que nous faisons, parce que cet enseignement-ci, je vais être payé. Hein, ça dépend de comment je me comporte, ça dépend des mots que je sors. En tout cas, ils me connaissent déjà depuis 2017. La monétisation, elle est normale dès lors que vous avez plus de 1000 abonnés, quand vous avez ouvert votre chaîne télévision, il y a la chaîne télé, c'est une chaîne télé en quelque sorte, si les gens vous suivent en live. Et cette monétisation, donc, chaque fin du mois, vous recevez des sous. Hein? Et ça, je le fais depuis 5 ans maintenant. Je déclare cela auprès des impôts, services de revenus des impôts. Je ne parle pas de cela. Ça, ce n'est pas grand-chose. Mais par contre, ce dont je parle, c'est que avec YouTube, quand vous atteindrez, par exemple, 25 000 cas, si vous arrivez à 25 000 cas, eh bien, en ce moment, vous pouvez ouvertement, YouTube va vous autoriser à sécuriser le compte YouTube de telle sorte que les gens vont désormais payer. D'accord? Les gens vont désormais payer et seuls ceux qui sont abonnés, seuls ceux qui paieront, auront accès à tout rite que j'ai montré désormais au public. Vous voyez, l'affaire va devenir plus sérieuse. Nous ne sommes pas encore là, on est déjà près de la moitié, il nous reste encore 43% à gravir pour monter, pour atteindre ce fameux 25K, c'est-à-dire 25 000. Mais toujours est-il, c'était juste à titre de rappel, pour vous remercier une fois de plus, car si vous êtes ici, c'est parce que sûrement un frère, une sœur, un parent, un mari ou une femme, pour la plupart des cas dans les couples, c'est souvent les femmes qui ont commencé en premier, parce qu'elles sont très sensibles et elles ont convaincu l'homme et l'homme a suivi. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de couples comme ça qui se branchent et suivent mes enseignements. Je ne ferai plus trop, comme je disais, des rites, parce que nous en avons tellement. Ici, nous avons déjà 196 rites disponibles. J'espère que vous en faites bon usage. J'espère que vous utilisez pour résoudre vos problèmes au quotidien. Mais, en dehors de cela, je fais aussi du coaching. C'est dans ce sens du coaching, de la sensibilisation, et de toujours revenir sur les 5 raisons pour lesquelles vous me suivez, les 5 raisons pour lesquelles vous êtes abonné, les 5 raisons pour lesquelles vous rentrez dans mes forums. Et la première raison, souvenez-vous, c'est de pouvoir vous brancher à vos rites et traditions. C'est le retour aux sources. C'est aussi apprendre à se connaître soi-même. Hein? Ne paniquez pas, parce que la plupart des gens, oui, je suis... Dès qu'ils rentrent comme ça, c'est fini. On commence à exposer 1001 problèmes. Mais ils oublient, en réalité, la première raison pour laquelle vous êtes ici. En effet, les problèmes ne manquent pas. On peut résoudre les problèmes plus tard. Mais retenez que la cause des problèmes, ça peut être vous, ou bien des membres de famille, ou bien des choses que vous avez faites dans votre vie passée. Et c'est pour cette raison, il faut d'abord comprendre la source. Il faut d'abord plutôt connaître les rites et traditions. Il faut rechercher à rentrer en connexion avec vos ancêtres. Et après cette connexion, naturellement, vous allez partir, vous allez suivre maintenant l'étape de la connaissance de soi, le développement de soi. Cela est très important. Bien naturellement, ça vous permettra de comprendre la cause des problèmes, identifier où les problèmes se trouvent. Et maintenant, puisque vous vous connaissez vous-même, vous pouvez maintenant faire un travail, comme je l'ai dit tout à l'heure à une personne que j'ai venu de faire une consultation, exceptionnelle, parce que elle était au désarroi. Je lui disais que 60% des problèmes qu'elle vit, c'est elle-même qui est la cause, et 40% pour d'autres personnes. Bref, je lui ai donné la solution. Que la solution, c'est d'abord de chercher la cause. Mais quand on découvre la cause, alors il va falloir suivre un programme de travail mystico-spirituel. C'est-à-dire, là, on passe maintenant, après la consultation, il faut passer maintenant à l'étape qu'on appelle l'étape des travaux. C'est-à-dire, ça peut être des bains,
Ça peut être des bains mystiques, ça peut être des prières, ça peut être des sacrifices. Ça dépend. Il y a divers types d'actions qu'un opérateur de sciences occultes peut prendre. Ce qui nous réunit ce soir, c'est quoi? Ce vendredi soir, ce qui nous réunit ensemble, c'est de vous parler des interdits. En effet, j'assistais à un live qui était fait par l'une de mes filles. Quand j'appelle fille, elle a l'âge de ma fille. Hein? Et ensuite, elle est initiée dans nos traditions. Elle est en plein dans le boutier aussi. Je suis très content. Vous savez de qui je parle. Je la suivais donc sur son live là, qu'elle a fait sur TikTok. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également sur TikTok par le nom Mouéré Onouvier. Vous me retrouverez. C'est vrai que la plupart des trucs qu'on poste là-dedans, c'est beaucoup plus mon côté passionnel également, les arts martiaux. Mais il y a à partir de la semaine qui suivra, je posterai également beaucoup de messages de sagesse, de messages de spiritualité. Je posterai en 3 minutes certaines recettes magiques qui peuvent vous permettre de résoudre certains problèmes immédiatement. Je dis bien en 3 minutes. D'accord? Donc, quand je suivais son live, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que la spiritualité rime avec le végétarisme? Est-ce que vous êtes obligé d'être végétarien pour être vraiment quelqu'un de spirituel? Et moi, j'ai pensé au-dessus de ça, j'ai pensé aux interdits. Parce que, effectivement, quand vous rentrez sur le cheminement spirituel, il y a une liste des choses que vous ne devez pas faire. Les don't do's. D'accord? Donc, c'est sur ça que je vais pouvoir vous entretenir. Et je ferai l'effort de ne pas être trop long. Bien, je vais regarder ma montre. Bien. Je vais faire l'effort pour au moins aller droit à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est un interdit? Un interdit, ce n'est pas forcément de la superstition. Parce qu'il y a 2 formes d'interdits. Il y a des interdits que nous avons dans nos sociétés africaines qui sont plus apparentés à de la superstition. Par exemple, il faut éviter de serrer la main à quelqu'un quand vous avez touché le piment. Bon, scientifiquement, c'est prouvé que naturellement, le piment pique. Maintenant, si vous allez serrer la main à quelqu'un et que vous ayez touché le piment, mais la personne, par inadvertance, peut-être pas aller se doucher ou bien aller faire ses selles et toucher sa partie privée. Mais le piment, la partie privée est très sensible par rapport au piment, que ce soit femme ou homme. Donc là encore, voici ce genre d'interdits que moi j'appelle des interdits qui peuvent être parfois de la superstition. Mais il y a des interdits dans nos villages qui sont des interdits réels, c'est-à-dire des défenses. Les interdits, ce sont des défenses. Ce sont des principes qui ont été légués par nos ancêtres. Et ça va de génération en génération et nous devons toujours observer cela. Il y en a plein. D'accord? L'un des interdits est le suivant. Une femme n'a pas le droit, par exemple, de manger la tête d'un certain poisson. Une femme n'a pas le droit de traverser son mari pendant que le mari dort. Là, ce n'est pas de la superstition. Tout simplement parce que votre mari, pendant qu'il dort, puisque ces interdits étaient réservés surtout aux initiés, vous traversez l'homme pendant qu'il dort, alors qu'il est dans d'autres dimensions. Et ça, on ne va pas vous l'expliquer. Hein? Je ne vais pas aussi rentrer dans les explications, mais ce que je peux vous dire, il y a des conséquences graves. Vous ne pouvez pas traverser la femme, vous comprenez ce que ça veut dire, traverser pendant que vous dormez, vous traversez, hein? Ou bien vous êtes réveillé, vous mettez debout et vous vous trouvez de l'autre côté. Et de surcroît, surtout si vous êtes en période de règles. Oh là là, mais c'est encore grave. Mais ça, vous maudissez votre mari. C'est un exemple que j'ai pris. Donc, je vais donc faire un rappel sur cette affaire d'interdit. Et un rappel, je mettais l'accent beaucoup plus sur le régime végétarien. Parce que ça fait partie des interdits. Maintenant, certains m'ont reproché que mes maîtres, comment se fait-il que ça veut dire que pour devenir comme vous, attention, il faut éviter cela. Personne ne peut devenir comme moi. Parce que vous pouvez être mieux que moi ou plus que moi. Alors évitez de dire que vous voulez devenir comme moi. Bon, peut-être en termes de connaissances, mais c'est un peu compliqué.
Parce que moi, mes connaissances, certes, j'ai lu plus de 300 des livres ésotériques qui ne sont pas diffusés dans les librairies et que j'en ai ici. J'ai lu plus de 57 encyclopédies depuis le Gabon, les histoires des encyclopédies de Philippe Amouzou que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Philippe Ozou, plus autant pour moi. Il y a d'autres encyclopédies que j'ai prises ici aux États-Unis. Et il y a également... j'ai eu accès à d'autres connaissances. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être comme moi. Mais par contre, dans le monde mystico-spirituel, quand on ne parlerait pas de connaissances, oui, il y a probabilité que dans le monde spirituel, vous pouvez peut-être être comme moi et peut-être mieux que moi. Alors, la question était sur le fait que j'ai dit, moi, je ne conseillerais pas de manger les viandes. Les gens ont pris ça au sérieux pensant que c'est une obligation. Alors, ma question que je vais traiter ce jour, puisqu'on parle d'interdit, est-ce qu'en tant qu'initié, il vous est interdit de consommer la viande? Ou encore, y a-t-il un rapport entre le végétarisme, le régime végétarien et la spiritualité? En toute honnêteté, je vous donne la réponse. En tant qu'initié de nos grands mystères, surtout initié de nos traditions africaines, j'ai été dans le Bouiti, j'ai participé à la consommation de certains aliments. Je n'ai pas vu un bouddhiste qui va vous dire qu'il est interdit de manger sa viande. Le bouddhiste peut manger la viande de cabri, tout comme il peut manger la viande de l'antilope, tout comme il peut manger le porc-épic. Et c'est d'ailleurs cela que je voyais mon grand-père consommer le plus. C'est surtout la consommation de porc-épic. Et naturellement, j'ai consommé des poissons. Donc, il n'y a aucun rapport du tout entre la spiritualité et le végétarisme. C'est-à-dire, chez nous en Afrique, il n'est pas obligatoire d'être végétarien pour pouvoir évoluer spirituellement. Non. D'accord? Vous pouvez manger votre viande tant que dans votre alimentation, vous avez un équilibre normal. Excusez-moi. Non, mais quand il faut faire notre maintenant, il y aura beaucoup de temps. Please, don't play around here. I'm trying to do a video for that. Pardonnez-moi. Donc, disais-je, les interdits. Vous pouvez consommer votre viande. Mais l'essentiel que vous observez, les lois universelles en matière d'alimentation. Quelles sont les lois universelles en matière d'alimentation pour avoir un corps équilibré? 1. Il ne faut jamais manquer le matin de consommer des fruits. Ça, c'est la loi universelle. Le matin, quand vous vous réveillez, il vous faut des fruits. Durant la journée, au passage, il vous faut des fruits. 2. Si vous consommez la viande, vous consommez le poisson. Il vous faut toujours des légumes, obligatoirement. Et il vous faut toujours quelque chose de vert. Et je l'ai expliqué sur ma page Facebook, que tout ce qui est vert, lorsque vous le mélangez avec la viande saignante ou du poisson, ça vous aidera à avoir une bonne digestion. Et aussi, ce vert, c'est celui qui contribue au renforcement d'un corps subtil dans ce corps physique qu'on appelle le corps énergétique. Donc, tout ce qui est vert contribue à l'augmentation de l'adrénaline dans votre corps, à l'augmentation de l'énergie. D'accord? Si vous respectez ces règles et que vous consommez votre viande, il n'y a pas de problème. Aucun initiateur va vous dire, non, moi je ne vais pas vous recevoir sur mon ashram, je ne vais pas vous recevoir à mon école parce que je mange les viandes. Je n'exigerai jamais cela. Si vous viendrez à mon temple, si vous venez avec moi, chemin au Gabon ou bien au Congo quelque part, qu'on se retrouvera dans un temple, je ne vais pas exiger les gens d'être à mon régime. Vous comprenez? Ça dépend du degré et de la révélation que vous avez eue. Moi, la révélation que j'ai eue, par exemple, après avoir consommé le bois sacré, je suis revenu avec une liste de certaines choses qu'on m'a interdit de ne plus consommer. Le niemboué fait partie. Et pourtant, vous verrez qu'il y a des frères bouddhistes qui consomment le niemboué. Mais chez moi, ça a été un rejet naturel. J'ai voulu forcer quand cela m'a été révélé, mais je vous dis que j'attrapais des diarrhées. C'était des problèmes graves jusqu'à être hospitalisé. Donc, le niemboué ne passe plus chez moi.
L'audica, il faudrait que c'est moi-même qui prépare cela. Parce que tout ça, c'est considéré comme des aliments lourds. Mais par contre, si vous trouvez quelqu'un qui mange son caïman, mais qu'il est pasteur, n'allez pas le juger. Puisque lui-même, le fondateur du christianisme, l'a dit, que tout est permis. Tout est permis, mais sachez que tout n'est pas utile. Tout comme j'avais des problèmes avec mes frères témoins de Jéhovah, comme je continue à faire mon caractère, je leur ai dit, écoutez, c'est pas facile de s'en passer. Ah ben oui, c'est pas normal, en tant que témoin de Jéhovah, chrétien, de faire le caractère. J'ai demandé le passage biblique. J'ai demandé le passage biblique qui, jusque-là, montre que nous n'avons pas le droit. Pardonnez-moi, c'est une troupe de chiens, mais mon Dieu, venez faire le live dehors, on a beaucoup de distractions. D'accord? Je leur ai demandé de me montrer le verset. Ils étaient incapables. Mais ils m'ont exhibé le verset que je viens de vous citer. C'est-à-dire que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, je me permets de faire mon karaté. Est-ce que c'est utile pour ma spiritualité? Pas nécessairement. Mais est-ce que c'est utile pour ma santé? Oui. Est-ce que c'est utile pour une défense? Oui. Là, j'ai mon arme parce que là, il y a deux jours, il y a eu des coups de fusil. J'ai toujours mon arme avec moi. Si quelqu'un veut me tirer dessus, maintenant on a voté une nouvelle loi, j'ai le droit de tirer, même s'il tire sur quelqu'un d'autre. C'est la seule défense. Donc, ça, est-ce que c'est un problème qui va créer des ennuis et qui va créer des tensions entre vous et d'autres personnes qui sont dans d'autres obédiences? Non! Je conclue sur ceci que le régime végétarien n'est pas obligatoire. Mais, je suggérerais que vous soyez végétarien une fois en passant. Si vous ne pouvez pas vous en passer, respectez les règles universelles. Je crois que je vous ai déjà dit. C'est-à-dire, consommez beaucoup de fruits, consommez beaucoup de graines, consommez beaucoup de légumes. Toujours, 7 sur 7, il vous faut des légumes dans vos aliments. Vous n'aurez pas de problème de constipation, vous n'aurez pas de problème de sel, parce que vous allez toujours avoir vos sels naturellement chaque jour. Et consommez au moins 2 litres et demi d'eau par jour. En moyenne, 2 litres d'eau et demi par jour. Voyez-vous, si vous consommez des boissons naturelles telles que l'eau, pas glacée, bien sûr, ça a été prouvé scientifiquement que tout ce qui est glacé va rendre mauvais service à votre organisme parce que les scientifiques l'ont trouvé. Allez-y vérifier sur Google les bénéfices de boire de l'eau plate. Ce qu'on appelle « room temperature » en anglais et en français, je crois, « à température ambiante ». C'est-à-dire ambiante, celle de votre maison. Vous prenez l'eau et vous gardez là. Qu'il fasse chaud ou froid, l'eau doit être. Ne jamais mettre cette eau dans le réfrigérateur. Parce que quand vous mettez dans le réfrigérateur, vous allez exiger donc votre corps à faire un double travail et à la longue, ça peut vous rendre malade. D'accord? Et vous ne serez jamais satisfait de l'eau que vous buvez. Bref, ça c'est des exemples. Ça là, c'est la science qui le dit. Personne ne peut contredire. Mais buvez de l'eau naturelle, donc l'eau plate, 2 litres d'eau par jour. Consommez les fruits, consommez les légumes dans votre viande que vous consommez. Si vous avez un steak de viande, vous pouvez ajouter des épinards dessus, vous pouvez ajouter du brocoli dessus, vous pouvez ajouter de l'oignon entier et même de l'ail, tout ce que vous désirez, mettez ça dessus et même le gingembre. Voyez-vous, si vous consommez vos aliments de manière universelle, votre spiritualité ne va pas prendre un coup. Pas du tout. Et l'autre règle universelle, c'est quoi? Scientifiquement, il est prouvé que vous ne devez pas manger les aliments à des heures tardives. Vous ne pouvez pas consommer des aliments lourds 5 heures avant d'aller au lit. Ce n'est pas possible. Vous aurez des insomnies, vous ferez des cauchemars et parfois des gaz et des difficultés abdominales. D'accord? Si vous observez ces règles simples, si vous pensez que vous allez consommer de la viande ce soir, que vous ne pouvez pas vous en passer, s'il vous plaît, faites le possible de prendre un petit morceau de viande, mais au moins avec beaucoup de légumes autour. D'accord? Et l'accompagnement, vous pouvez consommer ça comme ça, ou bien accompagné de quelque chose de lipide ou quelque chose qui a... Parce que la viande elle-même déjà a de la protéine. Si vous allez ajouter la banane, mais dans la banane, on trouve également de la protéine, sauf qu'il y a plus du potassium là-dedans. Donc, vous pouvez soit associer ce morceau de viande avec du blé,
Ou bien, j'ai vu certaines personnes consommer le foufou. Moi, je n'en consomme pas. Ce n'est pas bon pour mon ventre. Et ça, c'est à ma règle, à moi. Ça fait partie des interdits naturels. D'accord? Maintenant, vous, si vous êtes sur la voie de l'initiation, je le répète, vous pouvez seulement apporter des accommodations ou des petites améliorations dans votre manière de manger. Évitez de manger, par exemple, à 20 heures. Et vous savez, si vous devez être au lit à 22 heures au plus tard, parce que en fait, ça encore, c'est un autre problème. Les gens manquent de discipline en termes de sommeil. Moi, jusqu'ici, je fais des efforts de respecter les 8 heures de sommeil. Sauf quand je faisais 2 boulots, 3 boulots, j'étais perturbé. Mais j'ai des techniques de tricherie que j'ai appris dans le yoga tibétain. Une technique qui vous permet en 10 minutes de récupérer un sommeil que vous avez perdu en 24 heures. Ça a été prouvé scientifiquement. Il y a des maîtres du yoga qui font des années, ils ne dorment pas. Ils méditent jour et nuit, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Ils existent. D'accord? Vous pouvez vérifier sur Google et même sur YouTube. On vous montrera. Je vous avais parlé de quelqu'un qui est originaire d'ici, qui m'a invité la dernière fois, mais malheureusement, mon passeport avait expiré. Il vit actuellement en Inde. Il a fait plus de 20 ans sans jamais manger. Jusqu'à aujourd'hui, il ne mange pas, il ne boit pas de l'eau. Mais il est aérien. Donc, il vit de l'air. Ça, on appelle ça, il vit du prana. Et c'est comme ça, la plupart des grands maîtres là-bas vivent. Ils n'ont même pas besoin. Ils ont transcendé toutes ces histoires-là. Donc, la spiritualité, c'est par niveau. Quand vous êtes débutant, ce serait méchant qu'un gourou, qu'un maître vienne vous dire, « Oh non, comme moi, je suis végétarien là, vous devez arrêter aussi de manger les viandes. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, ça m'a pris un temps pour pouvoir être là où je suis. D'accord? Par contre, les alcools, il y a des gens qui m'ont posé la question sur les alcools. Est-ce que vous pouvez consommer les alcools? Ça n'engage que vous. Moi, personnellement, je ne conseillerais pas. Pourquoi? Parce que je suis à un niveau où, dans certaines sociétés mystiques, magiques, il m'est interdit de prendre les alcools parce que les entités qui apparaissent n'aiment pas quelqu'un qui est dans les alcools. Vous avez un exemple triste des fils de l'un des fils d'Aaron qui malheureusement a été tué par un ange parce qu'il avait goûté légèrement au vin avant de venir travailler au sein des saints, là où se trouvait l'arche de l'Alliance. Donc, pour résumer sur ce, ayez le libre jugement vous-même, d'accord? Utilisez le common sense, mais sinon, M. Moreau Nouvier ne va pas vous imposer d'être végétarien, d'accord? Et quand j'ai écouté la personne qui a posé la question, la personne a répondu, mais je crois avoir répondu à l'écrit, je disais que la spiritualité n'exige pas le végétarisme. Non, je le dis encore à haute voix, la spiritualité n'exige pas le végétarisme. Vous n'êtes pas obligé d'être végétarien pour être quelqu'un de spirituel. Il est vrai que la plupart, surtout dans le cadre du yoga, les exigences d'être végétarien, il y a des raisons. Moi, si je l'ai choisi, parce que je fais le Hatha Yoga. Et le Hatha Yoga, il y a certaines postures qui exigent que parfois je dois jeûner. À un certain âge, je dois toujours faire le jeûne pour pouvoir faire ces postures-là. Il y a certaines techniques astrales, des techniques respiratoires, préparatoires avant de sortir de mon corps, qui exigent que je n'ai pas le droit de manger la viande parce que le corps, en ce moment, va être lourd. Et plutôt votre âme, oui, le corps, parce que je vous ai donné un enseignement sur le phénomène de séparation corps-objet. L'objet, c'est le corps physique, le corps, c'est le corps divin, donc votre âme. Donc votre âme va être lourde. Pourquoi? Parce que votre âme va avoir des difficultés de sortir. N'oubliez pas que l'âme est en vous et c'est aussi dans votre sang. Et si le sang est déjà infecté par un taux d'aliments trop élevé dans votre corps physique, vous aurez des problèmes pour décoller. Voilà pourquoi il y a des techniques, ça je l'ai appris auprès des Brésiliens, que le meilleur moyen pour attaquer votre ennemi qui est sorcier, l'un des moyens, parmi tant d'autres, c'est d'observer ce qu'il consomme tous les jours. Le jour où vous verrez qu'il consomme beaucoup de viande et il a bu du vin, quelles que soient les protections qu'il a, même s'il adore le diable, allez-y l'attaquer. Il va avoir des problèmes pour se défendre. Ça, c'est le secret que mes maîtres brésiliens m'ont indiqué. Et je n'ai pas expérimenté ça, pardonnez-moi, mais il y a quelques frères qui l'ont expérimenté et ils sont venus m'avouer que oui, c'est vrai. D'accord?
Et moi-même, quand j'étais encore tout jeune au lycée technique, des fois je mangeais à des heures tardives après l'étude de groupe. D'accord? À 22h, je veux manger. Il fallait se réveiller à 5h. Oh là là, le ventre bourdonnait, tout et tout. J'avais des problèmes, je me sentais étouffé. Et pourtant, j'étais déjà sur la voie de la pratique du Kundalini Yoga, hein, le yoga spirituel. Donc, voici la réponse que je peux donner à tous ceux qui, de loin et de près, sont intéressés à mes enseignements et qui veulent avancer, ils veulent se développer. S'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable qu'on vous exige d'être végétarien. Et en ce qui concerne les interdits, ce n'est pas forcément tous les interdits qui sont considérés comme des... on appelle ça comment, des défenses, forcément. Non, non, non. Il faut utiliser le jugement. Utilisez votre esprit du jugement ou le common sense. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Alors pour eux, ça devient maintenant trop, ça devient de la superstition. Par contre, il y a un interdit qui est une défense. Ça, vous pouvez vérifier auprès de n'importe qui. Serrez la main à quelqu'un. J'ai déjà donné plusieurs vidéos dessus. C'est interdit. D'accord? C'est interdit. Dans la plupart des traditions africaines, on ne serre pas la main à quelqu'un. D'accord? Et taper la main, n'acceptez jamais qu'un autre homme ou bien une femme vienne vous taper la main à l'épaule. Il y a des sorciers qui font ça. Même chez les Blancs. Hein? Il y a un président ici aux États-Unis, il vit encore. Monsieur George Bush, le fils. Lui, il avait toujours l'habitude au cours des rencontres avec les autres présidents, il avait toujours tendance à vouloir taper les gens sur l'épaule et les autres l'esquivaient. Parce qu'ils savent ce que c'est. Hein? Sachez que la plupart de ces présidents-là, 95%, c'est des initiés, ils connaissent. Donc, ne jamais accepter qu'un autre homme vous tape à l'épaule. Ça, c'est une offense. Dès qu'il veut tenter de le faire, bloquez-le. Dis non. J'ai du respect pour vous, ne me le faites pas. On ne tape pas un homme à l'épaule. D'accord? J'ai même vu certains hommes qui ne tapent pas, mais qui veulent mettre la main sur votre épaule. Dites-lui non, 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 s'il vous plaît. Surtout chez nous aux États-Unis, c'est interdit parce qu'on va vous prendre pour un gay, pour un homosexuel. Donc ça, c'est déjà une bonne raison à pouvoir exhiber. Serrer la main à quelqu'un, vous le savez très bien, je donne un enseignement. Ce n'est pas bon. Ça transporte beaucoup de microbes et Dieu merci avec le Covid. Donc, ceux qui sont en train de m'attendre là, au Cameroun ou au Congo, là, on n'a pas encore décidé, ou au Gabon, hein, les listes sont en train de se faire. Vous ne devez pas être dessus. Hein, que depuis l'avion, quand vous allez m'accueillir, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas à me serrer la main, au risque d'être dessus. Je ne serre jamais les mains aux gens. Jamais. Jamais. D'accord? Je vais vous montrer au cours des forums comment moi je salue les gens. D'accord? Et vous devez déjà le savoir. Je ne serre pas les mains. Je ne serre pas les mains, je le répète. Ça, c'est un principe à moi que j'ai hérité de trois traditions. La tradition amérindienne, la tradition béninoise et la tradition indienne, de la magie cérémoniale indienne. On ne serre pas la main. D'accord? Ces genres d'interdits ou défenses, vous pouvez les garder. Maintenant, pour ce qui est de votre régime alimentaire, le choix est le vôtre. Vous pouvez devenir végétarien, mais allez-y de manière évolutive. Ne coupez pas brusquement, ça ne va pas être facile. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Pour ce qui est de la question sur est-ce que la spiritualité rime avec le végétarisme? J'ai répondu à la question, je vous remercie beaucoup. Invitez le maximum de personnes comme toujours. Évitez de vous embrouiller en ce qui concerne l'entrée dans les forums, s'il vous plaît. C'est toujours là, en bas de la vidéo. Mais mon Dieu, il y a des gens, vraiment, aidez les gens là qui s'embrouillent. Ne venez pas me poser ce genre de questions-là, parce que ça m'embête. Je vois des gens qui viennent poser sur la vidéo, mais je n'arrive pas à rentrer. J'indique, mais ils viennent encore me dire, oh non, mais je n'ai pas réussi. Mais comment voulez-vous que je vous dise, mon Dieu? Je vous dis bien que si votre téléphone n'est pas Android, ça ne marchera pas. Téléphone Android, c'est quoi? C'est Samsung, LG et iPhone. Voilà les téléphones Android. Et BlackBerry, parce que moi j'ai le BlackBerry, j'ai le Samsung, j'ai le Note, j'ai le LG et iPhone. Tous ces téléphones-là, c'est Android. Mais il y a certains qui ne le sont pas. D'accord? Donc prenez votre téléphone, allez-y chez les gens-là qui connaissent le téléphone, demandez est-ce que ce téléphone est Android? Ils vont vous dire oui ou non. Donc si ce n'est pas Android, vous n'allez pas réussir à rentrer dans mes forums. Et ne rentrez pas dans les forums si vous êtes dans une librairie. À partir de l'ordinateur, ça ne va pas rentrer.
ou bien vous avez votre ordinateur à la maison, vous voulez rentrer là-dedans, ça ne va pas rentrer. D'accord? Voilà. Donc, il faut voir quelqu'un qui a un téléphone Samsung Galaxy, ou bien LG, ou encore iPhone Pro 13 ou 15 ou 22. Là, en ce moment, vous verrez, c'est facile. Vous allez rentrer dans mes forums. Ça, c'était la préoccupation. Bon, le reste, vous commencez à vous améliorer. Merci beaucoup. Il y a des progrès. Et là, j'ai une grande réunion avec les miens demain. Nous allons nous retrouver. Je parle de tous les administrateurs. Ils se reconnaissent. Pour le moment, j'en ai trois qui sont actifs avec moi là. Donc, nous allons nous retrouver en réunion stratégique pour voir ce qu'on peut faire. Je ne peux pas en parler au public. Par rapport aux incidents que nous avons eu dans le passé, les gens qui viennent voler mes enseignements, qui les téléchargent et tout et tout. Nous avons maintenant la technologie qui nous permet également de mettre des garde-fous et je continuerai toujours à avoir mes espions, hein, des services de renseignement. Je les ai autorisés et ils sont là, ils sont campés parmi tous ceux qui sont dans mes forums. Je vous ai dit qu'il y a des généraux, il y a des officiers supérieurs de tous les pays que vous connaissez, que j'ai cités, tous ceux qui étaient impliqués par rapport aux marabouts qui volaient mérite. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Ne vous sentez plus coupable. Vous pouvez continuer à consommer votre viande, mais appliquez la loi universelle. D'accord? Merci encore. Merci. Que Tétan Monga vous bénisse. Merci. Merci bien. Merci.